En août 2016, avec mon frangin Pierrot, on avait décidé de partir au Chili pour gravir 18 volcans dans le sud du pays. C'était un projet ambitieux, mais qu'on avait préparé pendant plusieurs mois. Et c'était surtout l'occasion pour nous de faire un vrai beau projet entre frangins. Et dès qu'on est arrivé, les conditions de neige étaient compliquées. Après, c'est normal, c'est des volcans isolés, très exposés au vent. Donc les sommets sont pelés, il y a de la glace partout. On n'était pas venu là dans une optique de performance, on était là pour découvrir le pays avec nos skis au pied. Parce que quand tu skis, tu vois pas les mêmes choses, tu vas pas dans les mêmes endroits et tu as un petit côté exceptionnel en fait. Et on n'est même pas encore au départ de la rando. Voyage comme ça entre frangins, des fois t'as des petits moments anodins qui après restent inoubliables. Les pattes qu'on a bien restées quoi. Viva la révolution! Mais le top ça a été sur l'Antuco et le Leyma. On était absolument tout seul et donc là t'as l'impression de vivre un truc incroyable, super personnel, super privilégié. Et c'est ça qui nous plaisait en fait. Il fait un peu froid ce matin. Je prépare les sandwichs pour Antuco. C'est le deuxième volcan qu'on va gravir. Juste là. Pas mal. Jolie cône.
Ça a été un moment tragique et ça l'est toujours. Ça te fait poser énormément de questions, tu as beaucoup de culpabilité qui revient. Mais dès le lendemain, je me suis dit qu'il fallait que je revienne ici pour continuer ce projet qu'on avait ensemble, pour continuer ce chemin qui s'était arrêté brutalement. Et je suis content qu'Anto soit venu avec moi. Alors j'avais pour objectif depuis un an de venir ici pour venir chercher des réponses. Quoi, je sais pas, j'ai pas tellement les mots là-dessus. Mais je pense que c'est quand même le ski aussi qui m'a amené ici. Parce que c'était notre passion qu'on avait en commun avec Pierrot. Et c'est grâce à ça ouais, que je suis là aujourd'hui. J'avais besoin de regrimper le Villa Rica. J'avais pas envie de rester sur un échec comme ça. J'avais envie de le grimper et de le dédier à Pierre. De me dire que voilà, on avait tout ce qu'il fallait pour le faire et que ça s'est arrêté d'une façon incompréhensible et inattendue. Souvent le ski juste comme un sport fun, un sport de glisse,
mais ça peut être bien plus que ça. Je crois que pour Anto et pour moi, ça a été une vraie thérapie pendant un an. Se retrouver sur les skis, ça nous permettait de continuer à partager des choses et de penser à Pierrot et de lui dédier tout ce qu'on a fait cet hiver. Je pense que c'était beau et on continuera à le faire.